قال قائد المنتخب الوطني مجيد بوغرة فور وصوله إلى أرض الوطن صبيحة اليوم أن المواجهة الأولى أمام منتخب ملاوي لن تكون سهلة بالنسبة للخضر أمام منافس يطمح هو الآخر للتنافس على تأشيرة التأهل إلى نهاية أمم أفريقيا 2015 بالمغرب. وتحدث بوغرة أيضا عن اللاعب نبيل فقير حيث قال أن انضمام الأخير لأمال المنتخب الفرنسي قد يكون سببه الضغط الذي مارسته عليه إدارة نادي ليون. C'est vrai qu'on a gagné les deux premiers matchs, c'est très important pour la confiance et pour la suite de la compétition. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas perdre au Malawi. Ces deux matchs vont être importants pour se qualifier directement. Le minimum, c'est d'avoir 4 points sur 2 matchs pour être sûr d'être qualifié. Donc voilà, on sait que ça va être dur en Malawi, terrain synthétique, chaleur, grand voyage. Retour chez nous, donc retour sera un peu mieux parce qu'on aura plus de récupération qu'eux, je pense. Mais on sait ce qu'il faut faire, il faut absolument se qualifier dès maintenant. Bah écoutez, maintenant j'ai repris la compétition, je me sens de mieux en mieux. Après, comme je le dis, sur une autre vision des choses, moi je suis là sur le terrain ou en dehors. Donc voilà, je vais être exemplaire sur le terrain et en dehors. J'arrête après la Coupe d'Afrique, donc je vais apporter mon expérience aux jeunes et aux groupes, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc je ne m'attache vraiment pas à cette place de titulaire. Je suis là pour l'Algérie, puis Inch'Allah, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. On peut jouer comme on ne peut pas jouer. Après, c'est le coach de décider, mais en tout cas, moi, il n'y a aucun souci pour moi. Non, mais vous vous sentez mieux Je me sens mieux, ouais. Je me sens mieux. Et il y a eu le but hier. Oui, il y a eu le but, ça va. On retrouve la forme, on enchaîne les matchs. La compétition, c'est ce qui est le plus important. Mais en tout cas, ça fait du bien de retrouver le championnat et puis ben, de retrouver le pays. Et puis, Inch'Allah, pourquoi pas jouer à Blida un de mes derniers matchs, ouais. Bon, en fait, ils étaient frais, ça courait de partout, ils craignaient pas la chaleur. Je pense que même le terrain synthétique là-bas va être à leur faveur parce qu'ils ont l'habitude de jouer là-dessus. Mais en Afrique, c'est toujours dur. Quand tu joues là-bas, tu as l'impression que c'est une grande équipe parce qu'ils sont habitués, ils sont dans leur environnement, dans leurs conditions. Nous, on n'a pas l'habitude de ça, mais on a prouvé qu'en Éthiopie, on a fait un grand progrès, surtout aussi au Bénin l'année dernière, au mois de juin, enfin il y a 2 ans au mois de juin. Je pense que l'Algérie a progressé à l'extérieur. Il faut marquer, mais pas prendre de but aussi. Mais le plus important, c'est de ne pas perdre. Parce qu'un match nul à l'extérieur, ça peut être aussi bien, parce qu'on le reçoit à domicile. Donc tu as 4 points, 2 matchs, t'es qualifié. On a besoin. Tout bon joueur est la bienvenue. On est bienvenu parce qu'on a bien vu que quand Yacine est venu, c'est un joueur talentueux. Fekir, à ce que je vois, je le suivais un peu à Lyon, c'est un joueur très talentueux. Donc il faut préparer l'avenir, il ne faut pas voir qu'aujourd'hui, il faut préparer l'avenir et c'est des jeunes qui seront là pour l'avenir, Inch'Allah.